vœux de cohésion sociale, d'unité, de paix et de sécurité. C'est ce qui a été donné à entendre et à voir à la place Ouarawara de Bobo Dioulasso. De nombreux fidèles y ont fait le déplacement pour la grande prière de la fête du sacrifice. Manika Ien, Siriki Milogo et Ismaël Satuné Paris reportage. Tabaski ou Light El Kebir 2022. Des fidèles musulmans de Bobo Dioulasso convergent à la place Ouarawara. Une célébration placée sous le signe de l'unité et de la cohésion sociale pour un retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso. Un message de solidarité. Nous sommes très bien. Je voulais dire encore que c'est ensemble, la main dans la main, avec l'aide de Dieu, que nous arriverons à trouver des ennemis que nous emmènent. La Tabaski cette année ensemble, et nous sommes venus prier. Donc pour notre pays, venez prier pour notre région, venez prier donc pour notre ville, pour que Dieu exauce nos prières, pour épargner notre peuple de la souffrance que nous vivons en ce moment. Vraiment de prier pour la paix, pour le bonheur pour notre pays. Après l'observation des deux rakats marquant cette prière, l'imam donne le ton en sacrifiant son bélier, un sacrifice qui symbolise la foi en islam. C'est aussi l'occasion de formuler des vœux à l'endroit des autorités de la transition. Que Dieu donne la santé et la force à nos autorités afin qu'elles viennent à bout des difficultés que le pays traverse. Qu'Allah ramène la paix, l'entente et la quiétude au Burkina Faso. Pour ce faire, j'appelle tous les fils et filles à l'unité. La fête se poursuivra en famille avec le partage des repas communautaires. Mais avant, les fidèles musulmans doivent braver la pluie pour rentrer chez eux.